Ahmed Bachir Kounta, je pense que c'est un ancien journal, c'est un journal de renommée d'ailleurs, que j'ai l'habitude de suivre depuis notre enfance sur le petit écran de la RTS Télévision. Bon, d'ailleurs, c'est lui qui traduisait surtout les discours des différents présidents, de Léopold Sédar Senghor, d'Abdou Diouf, Abdoulaye Wade jusqu'à Macky Sall. C'était le médiateur. Très souvent, il y avait des problèmes entre la direction et les personnels, c'était lui le médiateur. Je me rappelle tout récemment le problème qui a existé entre Lucky Patrick Mendy et Racine Talla en plein lever de corps du décès de Amadou Mbaylou. Il a dit devant toute l'assistance, il a appelé Racine Talla et Lucky Patrick Mendy à s'unir parce que les deux hommes étaient leurs amis respectifs. Donc vraiment voilà monsieur, moi j'admirais et que je considérais comme mon grand-père. Et qui se comportait comme un jeune. Il était ouvert, toujours taquin. C'était quelqu'un en tout cas d'un abord très facile. Bon, c'était quelqu'un également très cultivé et qui tenait vraiment à sa religion. C'était un homme pieux. Aucune prière ne lui échappait, Bachir Kounta. Et c'était quelqu'un également qui avait le sens de la solidarité, le sens du partage. Il savait donc se mettre dans la posture d'un sage. Lui donc, c'était un patriarche. Il venait souvent à la rédaction de la radio et quand il venait, il y a des salutations. Il prenait son temps pour s'enquérir de l'état de santé de tout le monde. Et nous, la nouvelle génération, la jeune génération, il prodiguait souvent des conseils. En plus, ce qui m'a toujours plus chez lui, c'est tout simplement les tournures qu'il utilisait pour pouvoir apaiser, pour pouvoir conscientiser la jeunesse, que cela soit en situation de tristesse, que cela soit en situation de bonheur. C'est une grande perte pour tous les journalistes, j'allais dire, sénégalais aujourd'hui. Moi, quand j'ai appris personnellement cette nouvelle, vraiment, j'avais le cœur meurtri, je dirais. Parce que durant mon stage, déjà quand on était en salle de rédaction, parfois il venait à l'improviste et il faisait des blagues pour détendre l'atmosphère. Donc je pense que c'est une personne sans façon et qui était très très cultivée. Parce qu'il y avait des moments où on restait seul avec d'autres camarades dans la salle. Il venait nous donner des conseils.